matin. Il faut te révolter contre les esprits humains. Tu vas te révolter contre eux au nom de Jésus. C'est les esprits humains qui mènent la division entre le pasteur et les responsables et les assistants. S'ils ne sont pas spirituels, mènent la division, le dehors, les gens vont à partir de l'église, partir, à se disperser, disperser. Et l'église devient vide. Vous voyez, une église qui n'évolue pas, c'est eux qui ont bloqué, ils sont assis sur l'église. Et si vous comprenez les chrétiens qui me suivent, c'est eux qui mènent la division dans la chorale. La chorale. Ils vont pousser les gens à se chercher dans l'église, dans le groupe musical. Ils vont commencer à coucher entre eux, à s'enceinter. Tu me suis? L'esprit met la soufflerie. L'esprit met la soufflerie. Sors de ma vie. Il sort de moi. Il sort. Alléluia. Alléluia. C'est les esprits humains souvent qui empêchent les gens de se convertir à Jésus. Alléluia. C'est eux. C'est eux, par exemple, qui donnent les fausses révélations dans les églises. Regardez ici. Les révélations ont quatre sources. Dieu donne des révélations. L'esprit de Python donne révélation. L'esprit humain d'un sorcier en toi peut te communiquer des révélations les nuits. Et puis toi-même, tes propres pensées peuvent te communiquer des révélations. Donc, il y en a quatre sources. Tu vois, quand tu fais un rêve, un songe, il faut discerner, demande au Seigneur si c'est lui qui t'a révélé ça. Si c'est lui, il va te révéler au moins trois fois. Et si tu me suis. Donc quand tu pries le Seigneur, que toute révélation qui ne vient pas de toi, je la refuse au nom de Jésus. Souvent, une sœur qui a un esprit humain en elle, l'esprit humain lui donne des fausses révélations. Et puis elle vient, ou bien il vient, il va te dire les révélations. Tu crois en ça, tu seras détruit. Dis amen, chrétien. Tu seras détruit. C'est la vérité, non? Donc, quand vous donnez des révélations, moi j'aime beaucoup les révélations, mais je discerne. Alléluia. Alléluia. Il faut discerner. Qui me suit? Maintenant, nous allons voir comment l'esprit humain fait pour entrer dans ta vie. Tu veux le savoir? Tu veux le savoir? Première porte, les funérailles. Les funérailles. Les funérailles sont des moments que les esprits humains utilisent pour entrer dans la vie de beaucoup de gens. Comment ils font? Pour que tu viennes au village là, toi ils veulent t'attaquer, non? Donc ils vont tuer quelqu'un dans ta famille. Ils tuent quelqu'un au village. Ils savent que tu vas aller au village. Donc ils t'attendent. Tu n'as pas remarqué souvent quand quelqu'un meurt, tu n'es pas parti. Il y en a qui se plaignent. Il y en a qui se. Parce qu'ils t'attendaient. Donc tu n'es pas parti, ils se plaignent. Donc ils t'attendent au village. Tu es parti dans l'euphorie des funérailles. Tu as commencé à pleurer. Yao, yao, mawo, angao. Les mamans, elles font des fritings. Elles mettent la bouche sur elles. Elles s'oublient. Est-ce que tu me suis chrétien? Donc, la tante sorcière, elle vient à son paille. Elle t'attendait. Elle veut détruire ton foyer, non? Elle t'attendait. Elle vient bloquer ton mariage. Elle t'attendait. Donc, elle vient. Et pasteur, elle demande un paille là-bas. Donc, elle met son paille autour d'elle comme ça. Parce qu'elle met le paille comme ça autour d'elle. Nayo! Nayo! Donc, elle prend. À son cou, déjà elle avait envoûté ça. Hé hey, ma fille, faut pas pleurer. Hé hey, Yako, Yako, hé. Hey. Donc elle va prendre son pain pour t'essuyer le visage. Donc elle sort de son corps. Paf! Elle rentre dans ton corps. Donc tu viens avec elle à Soubré. Ou bien tu vas avec elle à Abidjan ou à Paris. Donc maintenant tu as deux personnes dans ton corps. Ta personne, ton esprit humain et puis l'esprit humain de la sorcière. Donc ça va te rendre lourd. Donc, tu prends la finale, tu vas aller à Abidjan, tu viens à Soubré. Maintenant, tous tes projets que tu vas faire maintenant, là, elle est dans ton corps, elle entend tout, elle peut détruire ça. Qu'est-ce qui suit? N'as pas remarqué, après les funérailles, il y a beaucoup de divisions dans les familles, dans les foyers. Tu n'as pas remarqué? Après les funérailles, beaucoup de gens tombent malades. Il y a des étudiants qui échouent à l'examen. Des élèves échouent après les funérailles. Même il y a des fonctionnaires qui deviennent pauvres après les funérailles. Est-ce que tu me suis le matin? Pourquoi? Parce que la sorcière, après la funéraille, elle te suit, tu vas avec elle à Abidjan. Tu viens avec elle à Soubré. Maintenant, tous tes projets que tu fais, elle va tout détruire. Il y a une sœur qui venait dans cette église-ci. Elle était mariée à un directeur de sûreté à Abidjan. Son oncle est mort, ils sont venus au village.
Amen. C'est elle qui a rendu le témoignage. Quand elle est venue ici dans l'église, elle a rendu le témoignage. C'est avant qu'elle ne vienne ici. Elle dit, le monsieur a fait les finales de son oncle. Il a financé, tout le monde était content. Ils arrivent à Abidjan. Deux jours après, le monsieur lui dit, je ne veux plus de toi. Tu sais pourquoi? Ils sont rentrés dans le corps du monsieur contre la sœur. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On vient des funérailles de mon oncle. Tu as été bien, on t'a bien accueilli. Tu as bien fait là-bas. Il dit, je ne veux plus de toi. Foyer, des trucs comme ça. Est-ce que les chrétiens me suivent? C'est ici, mon Dieu l'a délivré. Quand le Seigneur l'a délivré, le Seigneur lui a ouvert les portes et puis il est parti en France. Aujourd'hui, la belle est mariée à un pasteur blanc. Un puissant. Amen. Les funérailles sont des portes terribles. Des esprits humains. Donc tu vas au village, il ne faut pas t'oublier. Est-ce que tu me suis? Regardez, après les funérailles, dès que tu rentres dans ta maison, commande d'abord à tout être humain qui t'a suivi depuis les funérailles de retenir dans son corps. Tu ne comprends pas les chrétiens? Dès que tu finis aux funérailles, dis-toi, esprit humain qui m'a suivi, ou bien qui a suivi quelqu'un dans la maison contre moi, allez, retenez où tu as quitté. Te chasse. Priez d'abord avant de rentrer dans votre maison, avant de vous asseoir. Qui me suit? On ne me suit pas. Alléluia. Donc les mamans, c'est vous qui aimez les funérailles. Dis à ta voisine, fais attention. Qui me suit? Qui me suit? Frère, les funérailles aussi rendent pauvres beaucoup de fonctionnaires. Comment? Le fonctionnaire, les gens vont tuer quelqu'un dans ta famille. Ils vont t'exiger de payer un bœuf. Est-ce que les gens me suivent même? Moi, on m'a dit ça quand mon papa est mort. J'ai dit à mes oncles là, mon père, était, votre prophète était chez vous ici là. Est-ce que vous lui donnez à manger? Puis il est mort, j'ai payé bœuf, vous allez manger. Je n'ai pas l'argent pour ça. Tu ne peux dire, il parle mal. J'ai insulté quelqu'un. Souvent, quand tu donnes le mouton mais le bœuf, ils vont mettre ton âme là-dedans. Et puis, ils vont tuer le bœuf. C'est ton âme, ils ont tué. Tu vas mourir. Est-ce que moi, tu m'as dit, un puissant. Les sorciers, il faut les connaître. Les êtres humains, il faut les connaître. Dis, esprit humain. De ce que la vie. Chante dans ma vie. Tu as commis les funérailles? C'est un grand moment d'entrer des esprits humains dans la vie des gens. Alléluia. Maintenant, une autre porte par laquelle les esprits rentrent dans la vie des gens, c'est le contact avec les marabouts et les féticheurs. Suivez, hein? Les marabouts travaillent leur esprit humain. Ils n'ont aucune puissance. Tu me suis? Quand tu vas voir un marabout féticheur, il te donne des objets maléfiques, il sort de son corps, il te suit, il est dans ton corps. La semaine passée, on a pris pour une soeur ici, c'est l'esprit humain d'un marabout que son grand frère allait voir contre l'étoile de la soeur qui apparaît dans son corps ici. Le marabout a dit son nom. Il avait dit son nom, c'est quoi? Il dit, il s'appelait Ali. J'ai dit à Ali, tu fais quoi ici? Non, c'est son frère qui m'a dit de venir là, je la détruire. J'ai dit, allez, sors. Ali, sors. Il dit, non, faut pas me tuer. Il sort. Il dit, impuissant, amen. Donc, tu vas voir un marabout, tu as eu deux fois, trois fois des marabouts, ça veut dire que tu as trois esprits des marabouts dans ton corps. À chaque contact, tu prends l'esprit humain d'un marabout, d'un féticheur. Donc, il faut les combattre. Maintenant, comment encore l'esprit humain vient dans la vie de quelqu'un? Quelqu'un est sorcier, il couche avec toi, il te donne son esprit humain. Les mamans, les jeunes filles, beaucoup de mystiques ont pris vos étoiles en couchant avec vous.
Tu me suis. Tu me suis. Impuissant. Amen. Regarde. Quand tu vas toujours voir les marabouts, les féticheurs, tu prends des esprits humains dans ta vie. Un sorcier couche avec toi, une sorcière couche avec toi, tu prends son esprit humain. Pourquoi? Parce que les esprits tu es commis au cours des rapports sexuels. Tu m'entends ça? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont envoûtées comme ça, au travers des relations sexuelles avec les mystiques, les sorcières, les marabouts. Tu me suis? Autre porte. Une autre porte, simplement au contact de la salutation. Papa, viens ici. Papa, viens. Suivez, hein? Au contact simplement de la salutation, tu peux prendre l'esprit humain. Quelqu'un qui est un mystique, mais un sorcier, veut te détruire. Tu vous saluez comme ça. Il sort de son corps, il rentre dans ton corps par le contact. On a reçu un papa ici. Son bras droit était paralysé. Il dit, il est parti au village. Il allait saluer les parents. Il a salué un parent. C'est comme du courant qui est rentré dans son bras droit. Sur le champ, son bras est paralysé. Donc, quand tu salues quelqu'un, même si c'est un chrétien, dis le sang de Jésus. Maintenant, dis le sang de Jésus. Donc, éventuellement, s'il voulait rentrer dans ton corps, il ne pourra pas rentrer dans ton corps. Est-ce que les gens me suivent même? Qui me suit? Une autre porte. Les faux prophètes vous communiquent leur esprit humain. Vous avez vu ici, devant tous, vous tous ici, il y a un soi-disant prophète qui était dans cette ville soubrée, qui trompait les enfants de Dieu. N'ailleurs, on dit, ah, il voit même la couleur de ton slip. Il te dit ta vie comme ça, quoi, quoi, quoi. Devant vous, il a parlé dans le corps de deux jeunes filles ici qui fréquentaient son église, non? N'ailleurs, ça veut dire quoi? Ces gens de faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le corps de tous leurs fidèles qu'on a pour les envoûter. Pour les envoûter. Frère, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein? J'ai dit, mais dis-moi ton nom. Il n'a pas dit son nom ici? J'ai dit, sors. Il dit, laisse-moi partir. Il dit, tant que tu bats ton nom, tu ne vas pas sortir ici. Il a dit quoi? J'ai honte. Parce qu'il y a des gens qui le connaissaient. Ce matin, si l'esprit humain d'un faux prophète dans ton corps, il va partir au nom de Jésus. À Abidjan, je suis parti à Abidjan, à l'église. Je vous ai toujours dit ça. Il y a une maman qui est venue à l'église malade. En prière, elle est tombée. J'ai dit, envoyez-la ici. Je lui ai demandé à l'esprit humain, qui es-tu? Il dit, non, elle me connaît, la femme là, elle me connaît. Je n'ai pas dit, il dit, non, si tu n'as pas dit ton nom, tu n'as pas parti. L'esprit humain lui dit, laisse-moi, il dit, tu n'as pas parti. Il dit, dis-moi, il dit, non, elle dit, je suis prophétesse. Prophétesse, hein? Et s'ils comprennent. L'esprit humain a dit son nom. Quand l'esprit humain a dit son nom, tous les chrétiens ont attrapé leur tête. C'est la grande prophétesse Ayopoukon. Qui part dans le corps, c'est fidèle. J'ai dit, mais tu fais quoi dans son corps? Elle dit, mais moi je suis prophétesse, je ne suis pas encore mariée. Et puis elle vient me dire que son fiancé, il y a un monsieur aux États-Unis qui veut la marier. C'est pourquoi je suis rentré dans son corps pour la détruire. Donc, les faux prophètes, vous allez leur dire là, vos projets, vos besoins, ils vont rentrer dans vos corps pour vous bloquer la vie. Est-ce que tu m'as dit, maintenant, un puissant ce matin? Qui me suit? De l'esprit humain, d'un faux prophète, d'une fausse prophétesse, dans mon corps, dans mon âme, du sort, du sort. Regardez ici, c'est toi et moi, on a prié aussi contre l'esprit humain de ce faux prophète, non? Même pas une semaine, deux semaines, son église est tombée, bouf. Son église est détruite, actuellement même, c'est la terre qui est là. C'est comme ça ils agissent. Et parmi vous, il y en a qui sont devant les faux prophètes, ils sont dans le corps des gens. Ce matin, vont partir au nom de Jésus. Je vous en prie, si vous allez avec, même si c'est ton mari, tu ne connais pas bien sa vie, il faut prier d'abord. Amen.
que Dieu te révèle sa vie spirituelle, son état spirituel. Parce qu'il y en a qui sont sorciers. Tu couches avec eux, ils vont te contaminer, ils vont te donner l'esprit humain. Amen. Avant, la sainte personne a prié pour une soeur ici. J'ai dit, qui es-tu? Il dit, je suis avec ma femme. Les deux sont des sorciers dans le corps de la jeune fille pour la détruire. Alléluia. Autre porte. Autre porte d'esprit humain. Alléluia. Les objets maléfiques qui sont dans vos maisons, les queues de bœuf, les fétiches, les gris-gris, canaries mystiques. Et si tu me suis, il y a des chrétiens qui ont des canaries dans leur maison. Alléluia. Ou bien l'habit que tu portes là peut être une porte contre toi. Regardez ici. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, même si c'est un chrétien, prie d'abord dessus avant de lui remettre. Sinon, regardez. Il met son esprit humain dedans. Si c'est un sorcier, il met son esprit humain dedans. Et puis il te donne. Tu portes, son esprit humain va rentrer en toi. Il va détruire ta vie. Qui me suit? Maintenant, mon frère, ma soeur, comment faire pour être délivré des esprits humains de sauterie? Comment faire? Tu veux le savoir? Première condition, tu dois d'abord croire en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. La première condition. Ce matin, tu crois en lui, tu seras délivré des esprits humains. Alléluia. On m'a invité au Ghana. J'ai donné un message sur la délivrance de la bouche. Et un jeune, sa langue est sortie comme ça. C'est le grand chantre dans son église. Son pasteur s'est assis là, il a vu ça. Il a vomi jusqu'à... Donc, il était assis auprès de maman. Le pasteur a dit, bon, madame, si ton mari finit, il faut lui donner ma carte là. Il n'a qu'à m'appeler. Ce qu'il enseigne là, c'est ma vie. C'est ma vie. Le jeune homme là, c'est mon chantre. Quand il chante là, tout le monde est d'accord. Dans son corps, esprit humain a parlé. Bon, quelqu'un chante esprit humain dans son corps. Donc, quand il chante, c'est l'influence de l'esprit humain qui est communiqué au peuple. Et si, monsieur, mais les chrétiens, son influence est communiquée au peuple. Au lieu de les bénir, ça les maudit. Donc, le pasteur, le lendemain, il est venu me chercher. On est parti dans son église. Je lui ai dit, bon, comme tu es pasteur, il faut faire partie tes enfants là, tes appelés, il faut les faire partir en ville. Il les a fait partir. J'étais resté, j'ai dit, maman, il faut t'asseoir au fond là-bas. On est resté à elle, l'interprète. Et il dit, pasteur, quand j'ai prié pour les gens, il y a guérison, il y a délivrance, il y a miracle. On m'invite dans les pays, au Cameroun. Mais quand je prie pour les gens, j'entends la voix de ma maman qui me maudit. Est-ce que tu me suis, mes chrétiens? Il dit, il entend la voix de sa maman qui le maudit. Donc, il fait les prières de prière charnelle là. Tu es vaincu au nom de Jésus, frère. Mais il n'avait pas la connaissance des esprits humains. De sa mère qui était en lui. Je ne comprends pas. Pourtant, Dieu l'utilisait. À savoir vraiment si c'est l'esprit de Dieu qui l'utilise. Tu me suis? Bon, dis papa. Tu es plus ancien que moi dans le ministère, je ne peux pas prier pour toi. C'est contre la loi divine. Il dit, mon petit, moi-même, là, j'ai besoin de délivrance. Prie pour moi ce que Dieu a mis en toi, là. C'est ça dont j'ai besoin. Il faut me sauver. Il n'y a pas de problème de grand frère ici, mon, là-dedans. Oh, mon, je prie pour lui. Voilà maman qui est là. Ouh, le monsieur est tombé. Il a commencé à crier, waouh, waouh, waouh. Impact, tu vois son église, grande église au Ghana. Il roule dans l'âme. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que les chrétiens ont des problèmes. Hein? Et puis ça mène. Donc quand il s'est retrouvé, il a commencé à dire, merci au Seigneur, en anglais. Il dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, quand tu priais pour moi, j'ai vu un gros oiseau noir qui est sorti de mon corps. Ça dit quoi? L'esprit humain de sa mère était en lui comme un gros oiseau noir. Tu le maudissais. Est-ce que tu me suis ce matin? Et beaucoup de gens parmi vous sont habités par l'esprit humain de leur mère, de leur père, de leur oncle, de leur cousin, d'un marabout, d'un féticheur, d'une fausse prophétesse, d'un faux prophète pour détruire leur vie. Mais ce matin, au nom de Jésus, regardez ici.
Je vous ai dit la semaine passée, j'ai prié pour une fille. Voilà, maman qui est là, elle est venue me voir un lundi à la maison aux deux plateaux. Elle dit, papa, tu me vois jolie femme, il n'y a pas un garçon qui me dit pisse à Abidjan ici. Tu me suis, hein? Même travail de bob, je ne gagne pas. Pourtant, j'ai des diplômes. Alléluia! Donc, voici 20 000 francs. Je vais faire offrande à ton Dieu. Il n'a qu'à me suivre. Il ne me reste que 300 francs. Je dis, ah, mais tu n'as plus d'argent. Tu comptes avec parler? Il me dit non. Elle me dit non. Je vais aller voir ma camarade à Angré. Pour que elle puisse payer mon temps pour parler à Yopo. Il dit, ok. Il dit, hey, Seigneur, il faut sauver la fille. J'ai plus l'offrande. J'ai prié pour. J'ai dit, bon, viens mercredi à la prière. Pendant la prière le mercredi, il y a un esprit humain qui se met dans son corps. Alléluia. Je dis, mais qui es-tu? Il a dit son nom. Amen. Je n'ai pas dit son nom devant le peuple. Il dit, ah bon, tu fais quoi dans son corps? Il dit, non, elle était ma copine. J'ai couché avec elle, puis j'ai pris son étoile. J'ai déjà payé 4 voitures à son étoile. Ça veut dire quoi? Donc, toutes les besoins de la petite fille, quand ça vient sur elle, lui, il vole ça. Lui, il vole. C'est comme ça que les gens vous font. Et les filles, les jeunes filles, vous êtes dans la pauvreté, dans la misère, les gens s'enrichent avec vos étoiles. Vous dites, hey! Ce matin, tu vas aller arracher ton étoile. Et il faut dire, mais chrétien! Vous voyez que beaucoup de jeunes filles sont dans la souffrance. Vous n'avez pas vu ça? Les gens, on leur envoie des étoiles. Ils sont dans vos corps. J'ai dit, bon, sors. Il dit, s'il sort, il sera pauvre. J'ai dit, tel que tu seras. Beaucoup ont pris vos étoiles. L'esprit humain, beaucoup, les méchants, ils ont pris vos étoiles. Ils sont en train de s'enrichir avec ça. Et ils sont dans vos corps. Quand vous priez, et ils bloquent vos bénédictions, ils volent vos bénédictions. Ce matin, tu vas leur ramener leur pauvreté au nom de Jésus. Il faut d'un puissant amen. Leur ramener leur célibat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je lui ai dit, mais tu as mis son étoile où? Il dit, il a mis son étoile dans son armoire au salon. Il dit, bon, va prendre. Commandez que l'étoile de la fille revienne dans son corps. Pendant sa vie. Amen. Et son âme. La fille s'est retrouvée. C'était mercredi. Je vous dis, vendredi, la fille a eu travail à Abidjan. Voilà, mon bon. Elle a eu travail à Abidjan. Ça veut dire quoi? Que les esprits, c'est elle qui vous empêche d'être béni. Alléluia. Maman et moi, on allait voir un couple à Abidjan. On a prié pour le couple. J'ai prié. Voici l'esprit humain qui se met dans le corps de la soeur, devant son mari. Hein. Vous voyez, les gens sont incrédules. C'est grave, hein? Mais qui es-tu? L'esprit humain dit, je suis sa tante. Pourquoi elle s'est mariée? Maman, c'est pas ça. Pourquoi elle s'est mariée? Nous, on ne veut pas qu'elle se marie. J'ai dit, papa, tu as vu ce que ta belle-mère dit dans le corps de ta femme? Il dit, oui. Il dit, l'esprit humain dit, nous, on veut tuer son mari. J'ai dit à son mari, venez à Yopougon. J'ai prié pour toi et ta femme. Il dit non, comme je suis diacre dans mon église, je suis diacre, donc vraiment pour m'absenter, c'est un peu difficile. Même pas trop, tu sais où se trouve? Sous la terre. Sous la terre, il est mort. Moi, j'ai fait ma part. Il voulait avoir tellement son poste de diaconat, de diacre là. Tu es dans une église, tu es diacre. Tu es envoûté jusqu'à ce que tu es maudit, l'esprit même pas dans le corps. Comme il prêche tout ça dans son église, il prêche tout ça. Parce qu'il paye les petites dîmes au pasteur, à Sakala, impuissant, mais non. Pourtant, l'esprit humain de sa belle-mère a dit, on veut te tuer pour que la fille soit veuve dans le célibat à vie. Pour terminer un dernier témoignage, pour qu'on puisse terminer ce matin. J'ai reçu encore une sœur, c'était au bureau là. La sœur, c'est l'esprit humain, suivez, hein, de son père qui est décédé, qui était dans son corps. Tu me suis? J'ai dit, tu fais quoi dans son corps? Il dit, non, parmi tous mes enfants, c'est elle que j'ai pris pour détruire, à cause de son étoile. La soeur était dévouée, elle dit, elle ne pouvait pas se marier. Elle ne peut pas avoir du travail. Dès qu'elle a été délivrée, la soeur a eu travail. C'est pas où. Actuellement, elle a accouché même, la soeur. Je ne sais pas où dire son nom, elle a accouché. Elle a eu travail. Mais pas un mois, deux mois. Elle est venue dire merci au Seigneur. Elle dit 100 000 francs. Oh là, c'est la secret. Maman, c'est pas ça ma fille. Elle a fait actuellement. Elle est parmi vous. Elle a fait enfant.
pour vous dire, regarde, personne n'est épargné des esprits humains de sorcellerie. Dans ton travail, il y a esprit humain dans le corps de tes collègues. Au marché, ils sont dans le corps de ceux avec qui tu es. Dans ta maison, ils sont là. À l'église, là, on n'en parle pas. Ce matin, crois en Jésus, tu seras délivré. Alléluia. Crois seulement en Jésus-Christ, il va te délivrer du poids de ce frère, au nom de Jésus. Tu me suis? Tu me suis? Tu m'as compris. Tu vas maintenant mener un combat contre les êtres humains. Tu vas te révolter. Il ne faut pas faire prière, charnel. Oui, Satan, je te combats, je te combats. Oh non, Jésus. Non. Tu dois te mettre en mouvement. Vous devez arrêter. Dis à tous les humains de soufflerie. Toi qui m'attends depuis des années, ce matin, je me lève contre toi. Oh non, Jésus. Alléluia. Je t'arrache mon étoile. Je t'arrache ma gloire au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas de Seigneur de rétablir ton étoile et ta grâce sur ta vie. Qui m'a compris? Ça t'a fait du bien? Du Satan. Du Satan. Et des esprits humains de sorcellerie. Ce matin, tu es dévalé. Dis que matin, tu es dévalé. Dis que tu es dévalé au nom de Jésus. Dis que tu es dévalé au nom de Jésus. Esprit humain d'un mystique, d'un marabout, d'un féticheur, ce matin tu es dévalé au nom de Jésus.